Et bien tout rien, tout rien. C'est vrai qu'il faut que j'aille voir le médecin aussi, ou qu'est-ce que machin là, mais au bon moment. Mystérieuse demeure. Il s'agit de la maison, quoi. Mystérieux marchand, la porte est fermée. Ok, ok. Mystérieuse demeure, je sais pas ce que c'est. Par contre, on va passer ouais, au centre de recherche parce que j'ai pas mal de disques. Et on va utiliser un petit peu tous ces disques de données. Il est pas là. C'est une passion. Génère de l'énergie en brûlant presque tout. Oh, ouais, ça peut être pas mal. Pour avancer. Raffineur, c'est quoi? Machine permettant l'amélioration de la qualité d'objets fabriqués, l'utilisation de matériaux divers. Permet de déshydrater la viande pour produire une friandise délicieuse et facile à conserver. Pour coudre, tenir, le tisser, ainsi que le cuir. Ah, on va faire ça. 4 jours. 4 jours, c'est bon. Allez, on envoie. Faut développer les recherches. Important les recherches. Toujours très important les recherches. Ouais, la clinique, je sais pas du tout en fait quand il faut y aller. C'est quoi ça? Oh! On découvre encore des choses. On va aller à la clinique. Ah, c'était ça le centre de loisirs où je devais aller. C'est un peu trop tard, c'est ça maintenant? Non? Je crois que c'est un peu tard. Boutique du centre de loisirs. Voyage vers l'est. Histoire d'un voyage et de son signe. Compagnie de l'état vers l'est. Hein? Faire pousser des plantes! Mais il me faut des jetons. Comment je fais pour avoir les jetons? Vieux canapé. Voici la carte de l'aventure. Tu dois aider l'aventurier à terminer son aventure. Choisis la prochaine destination et vois ce qui se produit. Partie terminée. Hein? Quand l'aventurier affronte un monstre, tu dois deviner ce que l'aventurier va faire. Les actions pour attaque, défense, étourdi et soin, entre autres choses. Chaque fois que vous devinez, cela coûte 5 gold. Ok. J'ai pas tout suivi. Début de la partie, choisis un chemin à rentrer. J'ai dit la prochaine action. Et je peux mettre une attaque. On va rien mettre. Ah!
Mais vas-y. Ah, confirmé. Du coup, j'ai gagné? La logique voudrait qu'il réattaque. On va mettre un petit. On va en mettre 10. Ah, c'était une attaque puissante. Eh ben, j'ai perdu. Ok, j'ai pas tout suivi là-dessus. On va sortir. Moins 50, mais ça me coûte super cher, hein, cette histoire. On renonce. Bizarre. Faudra étudier ça en détail, je crois. Pas GG, sa fille. Non, là, pas GG. Là, j'avoue. Là, je sais pas. Là, c'était très bizarre tout ça. Jouer à ta plateau. Facile. De choisir entre trois niveaux de difficulté. Chaque mode est divisé en trois manches. Plus c'est difficile, plus tu as de chances d'obtenir une meilleure récompense. Améliore ton score, frappe le plus de taupes possible en une minute. Ok, ça le principe, il est simple. Si tu frappes assez de taupes en une manche, tu progresseras vers la suivante. Sinon, pas d'inquiétude, tu peux réessayer. Frappe les taupes avec votre marteau. Notez que frapper certaines taupes peut avoir des effets étranges. Quand ton endurance est au maximum, une icône apparaît pour indiquer que ton super coup est prêt. Utilise-le pour déblayer le terrain. Les scores élevés accordent de meilleures notes et récompenses. Ok. Ok. Ça va, lui il est plus simple comme jeu. Clairement beaucoup plus simple comme jeu. Ah, ok. Peut-être un petit peu gaspillé le coup spécial, mais tant pis. C'était le premier essai! Et c'est pas mal ça, les petites pendules qui les arrêtent! Ah non, je suis étourdie, je crois que j'ai été étourdie. Oh! Il est pas cool lui avec son. La pendule. Ok, lui, micro. Et bah, j'ai gagné 3 gold du coup. Original, c'était un mini-jeu dans le jeu, pourquoi pas. Bon, on va s'arrêter là pour le moment. Mais du coup, j'ai gagné 3 gold, c'est comme ça qu'on gagne un peu des gold. Et ça, c'est un jeu aussi? Ça a l'air plutôt d'être un ring. Hein. Gigi, tu le mérites. Merci Nico, c'est gentil. Merci, merci. On a tapé les taupes. Ok. Oh, elle est là, la clinique. Et c'est là qu'il fallait que je vienne. Ah. Are these really free? I always believe there's no such thing as a free lunch. What does this medicine actually do? Oh, my aching back. Ok. I'm good, Doc. I'm good. Yeah, it's healed. Surely a bird would now mislead us. Impossible. Animals are pure of heart. I'll take 20. I'll take 20. Want?
Ça sent un peu l'arnaque, son truc, non? Quand même. It's free! It's free! C'est gratuit, c'est gratuit. Ça pue, hein. Go. Vas-y. Go! Goûter à son propre remède. D'accord, faut que j'en choisisse un des trois. Ça te va très bien, très très bien. Oh, je suis devenue toute bleue! Seulement temporairement. Non! LOL! Mais c'est quoi ce truc? Et t'as pas honte? Nouveau cobaye, cobaye. Ok, on est des cobayes, super. Tout ce que t'as à dire? Acupuncture, c'est quoi ça? Ne peut être pratiqué qu'à la clinique. Ah, je peux re-expérimenter? Celle-là, ça fait quoi? Ça fonctionne, qui l'eût cru? Oh! Attendez, il m'a filé des trucs là par contre. Il m'a donné quoi? Non? C'est dans ma tête? Ok, mais celle-là elle soigne. Ok, j'ai déjà expérimenté. Revenez la prochaine fois. Je crois que j'ai appris une recette, non? Ah bah écoutez, ça peut être intéressant. Mais bon, on devient toute bleue aussi, hein. Il se passe des choses étranges dans sa clinique à lui. Très bizarre sa clinique. J'ai plus aucune quête, c'est incroyable. C'est jamais arrivé. J'ai plus de quête. J'ai plus rien. Y'a quoi par là? Je suis jamais venue ici. Il y a plein d'endroits où je suis jamais venue ici. La porte est verrouillée, impossible d'entrer. Ok, ce sera pour plus tard, du coup, je pense. Maison de Zeke. Bonjour. Et il y a des maisons qui sont toutes mignonnes. Un jour, peut-être que ma maison, elle ressemblera à ça. Hein. Par contre, il est pas là, le mec. Je rentre chez lui, il est pas là. Hein. Normal ou pas normal, à votre avis? On rentre chez les gens quand ils sont pas là. Sans commentaire. Course. Rends-toi rapidement ailleurs à partir d'un arrêt charrette. Oh! Oh mais c'est trop bien ça. Oh mais ça coûte des sous. On teste quand même. C'est un TP. Oh, c'est un TP payant, certes. Mais c'est un TP. Hein? On en apprend tous les jours. Hop, attendez, fallait que j'aille le voir, lui. Faut que je reprenne des trucs, là, parce que ça va pas, hein. J'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire, c'est problématique, non? Look at that stage! Yet another fine example of Sandrock Commerce Guild craftsmanship. Ouais, il m'énerve. My management skills have been tip top. Tu finis par le taper, hein? Ok. Du verre, elle veut du verre. Le verre, c'est tout à fait faisable. Hein. Je peux le faire, du verre. Lui, il veut un fond de scène. On va lui faire son verre. Let's go. Et c'est la nuit. Oh ! Ils font de la musique ? Oh, la lumière et tout qui s'allume.
Welcome to Sand Rock. I'm Mabel. My husband Cooper and I run the largest Yakima ranch. Ever tried Yakima milk before? Le lait de Yakima. It's got an acquired taste. Here, take a couple of bottles. It's our way of saying hi. Eh, ça va tout le temps être comme ça maintenant la scène? Ils vont venir chanter comme ça au calme? Bon, c'est bien. Ou c'est juste aujourd'hui? Ah, je sais pas. Bon, c'est sympa, hein? Ça met de l'animation. Ok. Est-ce que c'est là-dedans que je pouvais faire le verre? Absolument pas. Ah oui, toi t'as plus de carburant. Eh, mais c'est pas possible. Hop. Carburant aussi, il n'y a plus de carburant. Ah, c'est là que je peux faire le verre. Je sais pas ce qu'il faut. Ok, bah... Est-ce qu'on peut relancer quelque chose là-dessus? Plaque de cuivre, plaque de bronze... Des protections en caoutchouc? Allez, on va en faire 3. On met du carburant aussi. Hop! Et puis on va aller dodo! Et demain on fera notre verre! Ouais, cette maison est très très vide! Attendez... Air peinture, ça fait quoi air peinture? Oh! Moche. On peut le personnaliser, lui. Ah, composant requis. Non, on annule. Peux-tu ignorer tous les changements et sortir? Ouais. Non. Ça demande des compos. C'est pas juste pour la déco, hein? Ça demande des ressources. On n'est pas encore riche à ce point-là. Comment on fait avec ce qu'on a? Non. Oula! Stop the train! C'est Logan! It's in the back. I'll go. Everybody hands up. Nobody move. Hey now, hands up. No funny business. Well? I got it. Let's go. Freeze, Logan. We got you now. Okay. Consarn it. Ash! Les mecs, ils volent! Eh, ils sont trop forts! Ils volent! Ok, je fais du verre à fabriquer, moi. On en parle qu'ils volent? J'ai remarqué que tu te baladais en ville sans ton propre destrier. Mais c'est que j'ai été... Si j'étais toi, je serais sacrément embêté, faut dire. Viens me voir, je t'apprendrai à monter à cheval. Oh, bah ça c'est cool. Moi je veux bien monter à cheval. Il se passe un truc là, non? So you're telling me you didn't see anything. Donc tu me dis que tu n'as absolument rien vu. Ils interrogent les témoins de l'attaque du train. I saw a fire in that man's eyes. A burning desire for vengeance that sent chills through my very essence. Un désir de vengeance. All right, pal. Did you see anything that will hold up in a court of law? Not to that effect. No, I didn't. So let me get this straight. None of y'all saw him take anything. Nobody got robbed? Personne n'a été volé? Excuse me, Captain, sir. Ernest, Atara Times. Would you be able to comment on all the wild allegations surrounding this incident? Who is this Logan, and what are his motivations? Do you believe he may be in possession of weapons of mass destruction? Bonne question, quelles sont ses motivations?
Pensez-vous qu'il soit en possession d'une arme de destruction massive? Il est pas bien, lui, quand même. C'est un journaliste. On va pas l'aimer. Dang. You don't get out much, do you, partner? First off, I'm une arme de destruction massive, quand même. Il lui va pas un peu fort? Second, I'm the one asking the questions here. Not the other way around. Ah, tu dois pas sortir souvent, tu m'étonnes. C'est moi qui pose des questions et pas l'inverse. Ouais, c'est lui qui pose des questions, c'est lui le shérif. Tu sais surtout si c'est pour demander s'il a des armes de destruction massive. Dang reporters. Almost made me lose my train of thought. Train? Ah, yeah. The train robbing. Or lack thereof. Well, we still got him for attempted hijacking, resisted arrest, unlawful use of firearms. I'll add it to the pile. Y'all are free to go. And remember, if any of y'all think of any info you think we can use to catch Logan, run on back to Civil Court double time. Okay. Du coup, y a enquête et y a un journaliste. Wait to get out of this place. Y a quelque chose par là. Louis, il a une quête pour moi. Just what's going on around here? Ha ha! Wandering around aimlessly, eh? That is so you. Great news! I've got something you can do, right? Yes, I was hoping to run into one of you builders. You see, that pesky Logan has struck again. More specifically, he struck this here train window, and va falloir qu'on répare la fenêtre du train. Guess who? Jensen called me over all in a huff. Where, my poor widow Twain? Normally, I wouldn't entertain, let alone reward such babery. But Matilda was standing right there. So, hey, coucou, yeah, démon, better get ça it va? Done quick. Okay, but on va la all of that is neither here nor there, since you're here, bien, clearly with nothing faire better to do. So you'll have no trouble accepting this commission, ouais, am ouais, I right? Prends, the train is stopped now at the station. Just get some glass and fix the window. Should be easy as pie. Well, off you go then. Facile. Scoot, come see me when it's done for your pay. Facile. Elle est où la fenêtre cassée? Est-ce qu'on la voit la fenêtre cassée? Elle est là la fenêtre cassée! Bon écoute, moi ça va toujours. Hein. C'est la fenêtre cassée du train. Ok, il me faut 4 de verre. Ouais, ça va. Bon, arrêtez de trouver des déchets partout par contre. Hein. Vraiment les mecs. Hein. C'est bon, faire du verre, un vrai jeu d'enfant. Faut juste que j'en fasse plus que prévu. Voilà, on fait max de verre. Sinon, il faut... Non, mais... Ah, pose ça. Pose-moi ça. Mais non, mais pose. Je crois qu'il n'y a plus d'eau. On n'est pas en cours d'eau. On est limite en termes d'eau. On est limite! Dites-moi qu'on peut faire de l'eau. De l'eau. Non, on n'a pas de quoi faire de l'eau. Il y a le plumeau aussi qu'il fallait que je fasse. Il me faut juste du fil. Ok. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Le plumeau. Ok, ça c'est fait. Mais du coup, je disais... Ah, ok. Bon, pendant que le verre se fait tranquillement... Est-ce qu'on n'avait pas une autre quête? Ou est-ce qu'on a tout fait un peu? Ok, ça c'est le verre pour les fenêtres, et ça c'est ce que je suis en train de faire également. Et ben, en attendant que tout ceci se fasse, on va gentiment retourner... Non mais il faut déjà que je repaye! Ça s'ouvre pas. 200 pour une semaine. Il me reste quoi en termes de gold?
Oh, ça va, on a un peu souffert. On a un peu de sous. Allez, c'est parti, direction les ruines. On est au niveau 5, il y en a 11 hein, quand même. Chiouette en forme de moulin. Ah, du coup, le fossile de poisson, on a eu ça, on l'a pas eu la tête de... Ah non, c'est pour réinitialiser que ça coûte 10. Ah non, mais ça me coûte rien alors en fait de rentrer dans les ruines. Est-ce que ça réinitialise un seul niveau ou ça les réinitialise tous? Question intéressante, non? Je récupère un peu l'étain. Ça peut toujours servir. Non, y a rien là-dedans. Oh, le coffre! Oh, le coffre! Du fluor. Ok. Ben, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Et il est là, le chemin. Ça non plus, je l'avais pas vu la dernière fois, le chemin. Et la sortie, elle est par là. Il y a des trucs en dessous, là. Ok, j'ai tout récupéré en une fois, c'est parfait. Pierre d'énergie. Ça, je pense qu'il faut que je récupère. Hein. En vrai, je pense que c'est quand même une ressource importante. Pousse-toi le caillou. Oula, va falloir creuser là. Non ah ouais, la sortie elle est en dessous. Ah, bah ça va, c'était pas très loin. Ok. Est-ce qu'on voit un petit peu des choses? Absolument pas. Et ben on va creuser. On aime bien creuser. Mais c'est profond. Mais dites-moi, c'est vachement profond tout ça. Elle est arrivée en bas. On est des taupes, hein. Ok, on a trouvé la sortie. Il n'y a plus qu'à arriver à y aller. Ah ! On est sorti de là. Ok, la suite, c'est la bande sous. Je veux pas dire, mais si on creuse toute la terre, bah ça fait beaucoup de terre, je pense. Heureusement, il y a des ressources hein, dans tout ça. Attendez, faut redresser un peu tout droit. La sortie! Enfin, on est encore loin d'être sorti. J'ai vu des trucs là.
On ne la fait pas à moi, il y a des choses là. Petite pas. Petite partie. Une petite. Hein? Ok, c'était une partie gauche d'un dernier appareil photo, je crois, un truc comme ça. Ouais, la sortie elle est là, ça je m'en souviens tout est. Y'a un truc en dessous. Y'a un truc en dessous. Attendez, on voit la sortie de là? Enfin, la sortie, enfin une autre sortie. Bizarre ça, non? Et on creuse. On creuse. Morceau de musée. Oh. On trouve tout plein de choses. Allez, niveau suivant. On descend toujours plus loin. On a récupéré quoi d'intéressant là? C'est quoi ça? C'est du fluor. Des boîtes. Partie gauche d'appareil photo, ouais. Du coup, il nous manque une partie droite d'appareil photo. Il y a un truc là-dedans. Un vieux composant. Bah, c'est que ça descend loin tout ça. Elle devient de plus en plus complexe cette mine. Qu'est-ce que c'est? Un bolide? Hein? J'ai trouvé un moteur. Alors là, là, je ne saurais dire à quoi ça sert, mais apparemment j'ai trouvé un moteur. On trouve des choses, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, on trouve des choses. Calice a la tête de. De bête en jade partie 2. Ok. Oh, un truc là-dessous, j'ai plus d'énergie. C'est bon, je l'ai. Je crois que j'ai eu un autre moteur, non? Ah. Comment je passe? Ah non, faut que je passe dedans. Oh mais non, mais... Oh mais je suis pas douée. Alors ça, c'est grand. Y'a un truc là-dedans? Non, y'a rien. Donc là-dessous, y'a des choses, mais j'y arriverai pas. Non mais c'est même pas là-dessous, en plus c'est de l'autre côté. Mais non. Ah, boum boum. Mais c'est super grand ici. Mais la taille du truc, comment vous voulez trouver la sortie? C'est immense. Il me reste un d'énergie, hein. Pas assez d'énergie. Ok, fini. Oula. Bon bah, pas tout à fait fini. J'ai marché sur une bombe. Allez, on sort de ces ruines. Ah bon, on a fait quand même pas mal de choses dans ces ruines. On a bien avancé. Hein. On avance bien. Ah mais il fait nuit déjà. Oh, on voit pas le temps passer dans les ruines par contre. Ça passe à une vitesse. Tout ceci passe beaucoup trop vite. Là en vrai c'est notre endurance qui nous dit qu'il veut sortir. Sinon je crois qu'on y passe 48 heures hein, dans la mine. Absolument pas le temps passer.
Ouais, ça c'est protection en caoutchouc, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est mon verre qui m'intéresse. Et on va en faire 3 de plus. Et on va aller dormir. D'abord, on va ranger tous nos trucs. Fait fonctionner de petites machines. Ok. Bah écoutez, je sais pas trop encore à quoi ça va servir les... le moteur. On va ranger ça, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Le fluor également. Et ça aussi. Et c'est déjà pas mal. Et on va aller dormir. Parce que demain est un autre jour. Ah, est beaucoup mieux là notre tête quand même. Ça m'embête quand même qu'à cause de la casquette, on voit plus mes couettes. Alors, ça dit quoi le verre? Un seul? Mais non, mais... Mais j'ai un problème. Hein. Mais... Oh, et je refais la même bêtise derrière. C'est super long à faire le verre. Ok, mais j'ai l'autre, je peux aller valider la quête. Donc on va la faire. Pas loin en plus. On va lui ramener son verre. On peut acheter quoi ici? La viande, du lait, la peau des cornes. Du pain! Oh, du pain. Du bon pain. Ça va, elle est pas mal, cette maison, quoi. Ready to get your ride on? On va monter à cheval. Ah, bah oui. Yeehaw! Let's go talk to my pa at the ranch. He can lend you a horse for the day. Prêter un cheval pour la I'll journée. Be right behind you. Je serai juste derrière toi. Ouais, mais... C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais d'abord te valider la commande. Je voulais lui apprendre à monter à cheval. Tu peux préparer notre meilleur étalon. C'est moi qui l'invite. Well, now, my little buttermuffin sweetie pie. J'aurais aimé pouvoir vous aider. I'd love to help out you and your friend here, but gratuitement. You know we don't lend out no more. On va payer le cheval. Don't you paw me, little missy. Now, you for a fact no. Il veut pas qu'on ait le cheval. I guess it couldn't hurt just this one time. Oh! Ça c'est un yekmo, c'est pas un cheval. Ok, on va prendre le cheval, hein. Moi je préfère le cheval. En plus, ah ouais, il est lent le yekmo, vitesse. 2,5 étoiles, le cheval est mieux. Je prends le cheval. Je confirme la location du cheval. On l'a pour 7 jours. Il était gratuit aujourd'hui, mais ce sera pas le cas après. Hein. Voilà pour toi, fais attention, les chevaux, ils sentent la peur. Tout va bien se passer, merci pas, je t'aime, bisous. Saphira, c'est parti. Eh ben c'est parti, on selle. Mais tu veux pas que je te valide la commande d'abord? Mon cheval! F pour interagir. C'était renvoyer, sortir, ok. Montez, on monte à cheval! Excuse me, ma'am. Might I have a word? C'est moi, I'm ou new to Sandrock, and qui I would be remiss to pass up an opportunity to speak with a dignified-looking damsel such as yourself. J'étais en train de monter à cheval. Qu'est-ce qui vient m'embêter, lui? My stars! Did you listen to that?
I reckon that must be the phrasings of a bona fide Atarin gentleman. Ain't nobody talks fancy like that around here. Well, what can I do you for, newcomer? Looking for good eats? Or just a place to kick up your heels? I've been ranching these parts for more than 20 years. Reckon I ought to know a thing or two by now. Just ask our builders. Je suis la spécialiste de la construction maintenant. I believe you. I'm Ernest, by the way. I'm here on the behalf of the Atara Times. I was hoping to do a piece on that bandit fellow who's been giving you all so much trouble. Would you care to weigh in on the situation? Oh, I reckon you mean Logan. Mr. Ernie, sir, I don't suppose you were on that train, were you? You still want to catch up with that rascal? Ah, il était dans le train, lui? J'ai pas fait gaffe. Well, here's my weighing in. You'd do best by packing your bags. That Logan's a wanted man. And he likely won't take kindly to a fancy-talking, pants-wearing, city-slicking point Dexter snooping around. Qu'il y a un gars de la ville bien habillé et bien habillé viennent fouiner dans ses affaires. Ne le prends pas mal. If you want to write about something, write about the scenery. Try some of our yachtsmall sausage. It's so good. People all the way from Porsche make their way over to stock up on it. Logan, forget about it. Wait till the Corps catches him. Then ask him yourself. And it was going so well. I've really hit a wall these past few days. Can't seem to get anyone to open up. Are they really so afraid of one guy? Moi, je sais pas grand-chose sur lui, au final. Is it my cologne? You, Builder. Despite all that, I don't suppose you would be willing to answer some of my questions about Logan. Faut que je réponde à ces questions, mais il est courant que je sais pas grand-chose. Bon, on va écouter, mais... Really? You will? Fantastic! One moment, let me just get out my notebook. For this interview, please try to be as objective as possible. Try not to let your feelings or any biases get in the way. It's important that I only get the facts as I try to understand this bandit persona. Tes préoccupations t'influencer pour mieux comprendre ce... Il est important de me donner... Que les faits. First question. Do you know Logan personally? Logan personnellement? Bah non. Oui, il est comme un frère pour moi. Sans commentaire. Non, je l'ai jamais rencontré. That's all right. Still, you've lived here for a while, haven't you? I believe your insight may yet be of use. Mais ça fait quelque temps que tu es ici, non? Je pense que tu peux encore m'être utile. Tell me what he looks like. Avoue-moi à quoi il ressemble. Have you seen the posters around here? J'ai vu les affiches en ville, they non? They really couldn't have found a picture of him without a bandana over his face. Just a simple description will do. Sur le visage. Description simple, faut la faire. Il est canon. Il est pas aussi beau que moi, ok? Sans commentaire. Dire à Ernest ce que tu sais. Ben je sais quoi? Je sais rien du tout moi sur lui. Ah, this again. All right, maybe I set myself up for this. I'll just make up an answer for you. When I saw him, I could tell even through the bandana there are stories just waiting to be told. Déjà parlé de son bandana, ou... Now, can you please take this seriously? Last question. Logan's accomplice, the man who helped him on the train. What do you know about him? What's his name? Je crois que son que le nom de son compagnon est l'homme œuf. Alors on a vu que c'était Haru, son plus vieil ami. Je sais pas si c'est son plus vieil ami. Bon, on va lui répondre quand même. Haru and Logan. I see. Yes, I noticed that they seemed to be close. Each one seemed to know what the other was about to do from just a quick glance. Seems there are several mysteries swirling around this particular figure. I'll have to mull it over. In any case, I suppose this counts as my first complete interview. Bon, bah, s'il est content, they sent me here to just do a little throwaway piece for Ernie's world. But this whole bandit thing is gold! My editor Eduardo is gonna flip! Bandits? On your train? It's more likely than you think. No, that's no good. Ne'er do well nabs, nada? No, how cheesy is that? Eh ben, il se creuse la tête pour son article, lui. Ah, c'est la petite, je sais plus comment elle s'appelle. Hey there, kiddo. I seem to keep seeing you around. You're not following me, are you?
Are you all right? I'm fine. Oui, ça va. Are you lost? Where's your mother? I'm not lost. I live here. My ma's in the desert now. Ah, I see. In the desert. Oh, goodness. C'est sa mère, sweetie, du coup, qui, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui était dans le désert, did c'est la mère. Someone to help you get home? Mais je savais pas que c'était sa mère, elle. Enfin, la mère de la ville. No, you're Ernest, the writer. Did you write the Maltese pigeon? Okay. Oh, you're a fan, huh? Gosh, why didn't you say so? Oh, that book you've got, that's my latest release. Oh, that would be great! Thank you, Mr. Ernest! Ah, c'est une fan! Hey, anything for a fan. Who should I make this out to? Jasmine. That's J-A-S. Jasmine. Huh. And Jasmine, sweetie, why don't you tell me, what was your... Actually, I thought the story this time was a bit... Eh? Contrived? Wow, such a big girl word. I'm not finished. The characters are paper thin. And if you even been paying half attention, you can see every twist coming from a league away. I think you've been really writing it in lately. Elle the old stuff le was casser. Way better. Well, little kid, with all due respect, you're a little kid and you don't know. Ah, c'est pas parce que c'est une enfant qu'elle sait pas de quoi elle parle. I'm your primary demographic. Mais je suis dans le public ciblé. Elle le casse encore, hein. Allez, abîme. Actually, as you can clearly see displayed on the back cover, the book is intended for all ages. Well, that's all the time I have for today. Here you go, and cheerio. Wow, look, Mr. Teddy. We got an autograph from Ernest, the famous writer. Let's put it under our pillow tonight. You really can't please everyone. She's kind of right, though. My novels have only ever really caught on with the under 12 demographic. It's gotten so hard to continue to outdo myself. On lui demande de... Ouais, on veut vraiment lire son livre. Yes! The Maltese Pigeon is my most famous work. It's a classical whodunit mystery where it turns out it was the butler all along. Oops. Guess I spoiled it for you. Well, it's still good. I recommend you check it out. Ah ouais, d'accord, il raconte la fin du livre en deux secondes. Anyway, non, mais c'est super. That little girl sounded a lot like my critics in Walnut Grove. They rated my latest novel a rotten score of 3 walnuts out of 10. But I don't write for them. I write from the heart, okay? Okay. It was nice running into you again, Builder. But I really should get back to work. Mais vas-y, despite the one-off critic here and there, plenty of fans are in fact looking forward to what I come up with in Sandrock. So long! Si tu le dis! Bon, je peux reprendre ma promenade à cheval, moi? Hein? Parce qu'à la base, c'est ça qu'on était en train de faire. Comment elle vient de me monter dessus avec son cheval? Il faut que je la suive. Et je la suis, je la suis. Eh, hey, il est bien le cheval en vrai. Je suis jamais venue par là. Faudrait que je vienne un peu par là. C'est top, on a un cheval. Tu galères un peu? Non, je galère pas. Dommage, mais t'inquiète pas, tu vas t'améliorer, on a rien dedans. Je galère pas, ça s'est très bien passé. You can rent a horse you like. But what you really ought to do is head over to Construction Junction and get yourself a stable added to your homestead so you can keep a horse of your own. Oh, that'll make you a real yak hand. Mon père, si t'as envie, mais tu ferais mieux d'aller au carrefour des constructeurs et te faire construire une étable chez toi pour avoir ton propre cheval. C'est ce que font les pros du désert. Oh, je veux trop mon propre cheval, moi. Just a horse owner, if you don't désert prefer that nomenclature. Tout le monde a son cheval. Je veux mon cheval. I had a lot of fun with you today. I'll see you around.
Keep on riding. Et ben à la prochaine. Attends, te pars pas. Hey. Tiens, j'ai ta commande. Take her easy. Et ben voilà. Et on a un cheval. Ah ouais, ça va carrément être pratique, hein. Je pense qu'il faut qu'on débloque des nouvelles zones, hein, parce que là c'est vrai qu'on reste toujours un petit peu proche de la ville. Mais je pense qu'il y a des zones à débloquer. Attendez, je crois que j'ai fait une quête là. Ouais, il y a un truc ici. Hey Poseidon, merci pour ton follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Fichtre, nom de nom, saperlipopette. Marbel, tu as laissé le portail ouvert? Non, chérie. Ça peut si. Où est donc passé les Yekmo alors? T'as pas rien, elle est cassée en fait, elle est pas ouverte. Mais t'avoir demandé quelque chose, on se connaît pas. Oh bah d'accord. Je sais que tu fais partie d'un complot visant à faire échapper mes Yekmo. Tu reviens sur le lieu du crime, c'est ça? D'accord. Genre, bizarre. Eh bien, on m'avait dit, il devrait y avoir de nouveaux constructeurs en ville. De toute façon, mais bon, ça m'étonne pas, blablabla. Depuis que nos réserves d'eau s'amenuisent. Ah, les réserves d'eau s'amenuisent. Ça, c'est beau à savoir. On ne savait pas ça, que les réserves d'eau s'amenuisaient. Pas facile de trouver des paires de bras qualifiés. On peut pas trop leur en vouloir non plus. Difficile de faire sa vie ici de nos jours. Bon, quand j'avais ton âge, c'était quasi le paradis. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. Il y avait des œufs dans tous les poulaillers. Une chaussette pour chaque pied. Et de l'eau, eau précieuse et délicieuse, or bleu. Il y avait de quoi faire. C'est pas comme maintenant. Papier hiver, maintenant. Continuez à écouter. Ok, plein de blabla, je raconte ça. Ok, on va s'endormir. Hop, on dort. Il semble... Oh, c'est beau, il a pas remarqué qu'on dormait. On l'a pas écouté. C'est pas grave, on s'en fout. On s'éloigne de ma clôture et c'est ma priorité. Maman, allez chercher tes outils. Mettre au travail. Assurez-vous que c'est une clôture en bronze. Je sais ce que tu penses, tout le reste de la clôture est en bois. Eh bien, devine quoi? Nous n'avons plus le droit d'abattre des arbres, alors vaut mieux faire en bronze. Ok, je m'en charge. En bronze, il veut une clôture en bronze, le mec. Bon, et ben, au moins on reprend un petit peu des quêtes parce que là, on n'avait plus grand chose. Et ben on lui fera une jolie clôture en bronze. Oh super, on peut sauter au-dessus de la clôture. Y a rien d'autre qui traîne? Non? C'est tout bon? Ouais, la map elle est encore grande là. On a loin d'avoir tout exploré. Ouais. On est vraiment resté pour le moment aux abords de la ville. Et ben écoutez les amis, je pense que c'est là qu'on va se laisser pour aujourd'hui. On va retourner voir un petit peu où en est notre... Non, sauter F, descendre. Ouais, c'est très long à faire le... Non, mais j'en peux plus. Faut que j'arrête de faire ça. C'est très long à faire le verre. C'est très très long. C'est terrible, ça va mettre 3 pompes. On pouvait pas refaire un peu de l'eau? Oh mais... Faut que j'arrête de ramasser les trucs. Y a pas moyen de verrouiller pour plus les ramasser.
Ah, je crois que j'ai pas assez de rosé. Si, j'ai assez de la rosée. Eh, oh, fabrique-moi ça. Oh, mais il y a plus d'eau. Va falloir que j'en rachète, hein. L'eau, c'est vraiment terrible. Faudra peut-être que je fasse un deuxième collecteur de pluie, hein. Enfin, de rosée. Eh, mais par contre... Hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Je fais ma muscu. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On a rien à construire. Ah si, il faudra faire ça. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Tuyau en bronze. Barre d'acier. Je sais pas faire les barres d'acier, moi. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Eh bien, écoutez, les amis. Sur ce, eh ben, on va se laisser avec notre magnifique cheval blanc. Puisque maintenant, on a un cheval. C'est une location. On en aura un à nous un jour. J'en suis sûre. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et sur ce, eh bien, bye bye!